le crois. Yeah.
cause it's coming in. Some are far too tidy. Can't complain, cause it's coming in.
Party shivers it all. With the miscellany, it could turn the way. The song goes on to me. A long way, la lumière. Les signes sur ton cœur. Et les montagnes et les forêts. Est-ce que vous vous rappelez de son prénom? C'était comment déjà?
Comment? Gabriel! Cet album de blues, j'avais besoin d'un joueur dans le musical. Alors j'en ai appelé quelques-uns et puis j'étais pas vraiment, vraiment satisfait. Puis Billy Tyler Studio, finalement, je me suis dit, waouh, c'est lui. Et là, on fait cet album de blues ensemble. Et je lui ai dit, maintenant tu vas faire partie du groupe. Il est avec nous ce soir. Sur ce tour 66, à l'Américain, Greg Zlap.
changé. Il y en a maintenant, vous chantez une chanson de mon dernier album. Et pour chanter cette chanson, j'aimerais la chanter avec la choriste que vous connaissez, Amy.
l'état sauvage. Lancer les portes des barrages et sortir le loup de sa cage. Sortir le corps qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines. Augmenter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Il est un jeu. Non, je ne vais pas m'envoler.
Je vais te faire, 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 je vais te faire
membres de ceux qui travaillent avec moi sur cette tournée. D'abord ceux qui font le son, pour le sens, le son vous entendez, c'est Michael Kissy. Je sens sur scène pour le groupe et pour moi ce que nous entendons dans nos oreillettes. Il s'appelle Xavier Gendron. Les lumières sont de Nicolas Gilly. Après tu m'as dit, je me suis demandé une seconde. En fait, les lumières, justement, je vais en parler. Voix de lumière, ce qui est le frustrant pour moi. Je vous entends super bien. Je vous vois pas. Mais je vous vois pas. Vous me direz, c'est un peu normal parce que vous êtes dans le noir. C'est pas vous, c'est vrai. Alors je vais demander à Nicolas, est-ce qu'on peut allumer cette salle? Est-ce que je vois pas? À la guitare également, il y a mon autre ami, Clint Walsh. Depuis maintenant pas mal de temps, enfin bon, vous savez, ça fait... Alors je dis toujours, ça fait 50 ans que je fais ce métier. J'ai commencé très jeune. Alors, je préfère dire 50 ans, parce que normalement, on dit, ça fait un demi-siècle qu'il fait ce métier. Vous vous rendez compte ce que ça fait? Ça me fait comme effet, moi, j'aime. Enfin, bon, pour vous dire tout ça, j'ai eu énormément de bassistes depuis le début de ma carrière, et puis j'en ai gardé un parce que c'est le meilleur, c'est toujours celui avec qui j'aime jouer sur scène, c'est Laurent Verneret à la basse. À tout nouveau dans le groupe, mais pas des, pas des moindres. C'est l'excellent batteur à la batterie, Maxime Garout. Et puis toutes les orchestrations de ce tour 66, c'est un album, ont été écrites par moi, Philippe Limaski. Et le chanteur du groupe s'appelle Johnny Hallyday. Ouais, dans les années 1955-56, Elvis Presley a enregistré cette chanson. À l'époque, on n'appelait pas ça du rock'n'roll encore, on appelait ça du rockabilly. Ça commence comme ça. Yeah!
une autre chanson de cette époque-là qui avait été écrite par Chuck Berry, qui commence comme ça. C'était l'étoile du berger. J'ai dit étrangement parce que la chanson que je chantais était une chanson qui avait été composée pour moi par Michel Berger. Magnifique. Et j'aimerais la... J'aimerais la dédier à Michel ce soir, cette chanson,
ainsi qu'à vous, puisque c'est vous qui en avez fait un succès. Et puis, je me dis que de là-haut, s'il nous regarde, de temps en temps, s'il regarde le spectacle, il doit se dire quand même, « Waouh ! Johnny, il a un sacré public !»
voilà, vous présentez les choristes. Il joue de la guitare, il chante pour moi, derrière moi. Il est du Québec. Vous allez l'applaudir très fort. C'est un garçon formidable, il s'appelle Alain Couture. The sexy ladies. Elle est de Los Angeles. Elle s'appelle Nayana Hawley. Elle est de Washington, D.C. Elle s'appelle Amy Keys. Rock!
au piano de Nashville, Tennessee, Mr. Brad Cole. Aujourd'hui c'est le meilleur. Alors que... Ah, c'est un gros geste, c'est la grippe. Avez-vous vu tout cela avant? Pas la grippe, hein, vous inquiétez pas. Merci, alors que de Paris, Seine-et-Marne, Joanne Dalgarde. Yeah.
avec Dieu dans l'obscurité, lui la lumière. Comme te donne la fin à soi, il n'attriche pas. Comme on lâche ce qui est là, et ce monde est, je retrouve le prix de la vie. On me donne la peine pour que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la mer. Pour que j'aime la terre, on me donne l'exil. Et comment faire maintenant pour rêver à des femmes? On m'a trop levé, bien avant la vie. J'ai oublié de rêver, merci. Toutes ces choses qui avaient capris et qui font je donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, pour me faire les discours. Et laisser la guerre, respecter un mort. Pour que j'aime être sympathique, comme la vie. On me donne la vie pour que j'aime le jour. J'aime la vie, pour que j'aime aujourd'hui, pour qu'il y ait toujours.
Merci. Bordeaux. En vrai, encore un moment que je n'oublierai pas. Vous faites partie de... C'est que vous faites partie d'un peu de ma famille quand même, tout ça. Depuis le temps que je viens vous voir chez vous, je vous aime beaucoup. Vous êtes des gens formidables et vous savez, on fait ce métier qu'on aime un peu pour vous et puis surtout grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas faire le métier qu'on fait. Merci pour toutes les joies que vous nous avez données pendant tant d'années. Je vous aimerai toute ma vie. Et je vous dirai ça. Merci. Un peu de chaleur.
que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens? Salut, Marécha. Il m'a dit faire. Maintenant que vous êtes parti, oh, toutes ces vies, pourquoi, pour qui? Mes amis, soyez gentils.